Alors les gens, on se retrouve ici pour un nouvel épisode de Hitman Absolution, donc c'est parti. J'espère que l'épisode précédent vous a plu, mais en tout cas j'ai bien aimé, j'ai adoré même le faire avec vous, donc voilà, c'est parti. Aloha! Bienvenue au Waikikin! Alors, vous aviez une réservation pour? Ben Franklin. Oh! Par ici, monsieur. Nous avons un petit déjeuner continental de 7 à 9 heures dans le salon Tiki, Happy Hour dans le salon Tiki de 17 à 20 heures, deux Mai Tai pour le prix d'un, les Pina Colada... Rien de moins... exotique. Voulez-vous commander une bouteille, monsieur Franklin? Quelque chose de fort. Bien, monsieur. Ok, donc on va les baiser, c'est ça le pute. Bon, donc je suis désolé pour l'épisode précédent, je suis mort beaucoup de fois, ça devait se terminer rapidement et je suis mort en beaucoup de temps, tout simplement pour la simple et bonne raison que bah il y a pas mal de problèmes quoi. J'ai même pas jeté le coup d'œil, j'en bats les couilles. Vous inquiétez pas les salopes, je vous déglingue. Hein. Hop là, en place. Faire repasser déguisement. Oula, hein, de rentrer dans un mur s'il te plaît. Et déguise-toi. J'ai été repéré. Mais je vais la buter elle. Hein. Je les bute ces putes. Bref. Donc c'est assez galère, je vais pas vous mentir. Dans l'épisode précédent, simplement, voilà, j'ai mal géré. Pour la simple. Excusez-moi. Pour la simple et bonne raison. On va les gérer ces saintes là. Ah oui, j'ai oublié qu'elles étaient avec, elles étaient potes avec eux en fait. J'ai quelqu'un. C'était une détonation. Bon, on peut les buter comme ça et ça me donne quoi comme professionnel en plus. Bon. Après, je vais pas trop jouer comme ça, mais ok. Oui, en fait, j'ai zappé, mais les saintes sont potes avec la police, en fait. J'avais un peu zappé, ça. Ça m'était un peu sorti de l'esprit, vous voyez. Ok, par contre, Jennifer Paxton. D'accord. Miné Hertz McCree.
Je vais me mettre dans la boîte, je crois. Et puis ils vont passer. Parfait. Bon, donc je disais oui, dans l'épisode précédent, j'ai fait pas mal de conneries, je suis mort pas mal de fois parce que j'aime bien être bourrin et je vais pas vous mentir que j'ai pas mal bourriné. Donc c'est de ma faute en total. C'est pour ça que l'épisode a duré assez longtemps, il devait durer genre une dizaine, peut-être une quinzaine de minutes. Enfin voilà, c'est comme tout, c'est comme là par exemple où je fais pas mal de conneries, hein. C'est que j'apprends le level, je commence à comprendre ce qui se passe, etc. Donc voilà. Après j'espère que ça vous plaît parce que pour le moment j'ai sorti aucune vidéo de Hitman sur internet. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas je kiffe hein, vraiment. Pour le moment c'est vraiment, j'adore ça. Oula! Ils sont légèrement violents par UG, contre. on a un paquet sur le parking. Il est paré pour enlèvement. Terminé. Putain, il l'a Équipe d'assaut! démonté. Retrouvez le cadavre de 47! Nettoyez tout! Occupez-vous des survivants! Exécution! Toi, ma belle, t'inquiète pas, tu vas mourir. Dès que tu vas y aller. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule et tu vas dans la machine. Voilà. Parfait. Bon, cette pute, c'est down. Parfait. Ok, écoutez. On suit le protocole d'opération publique section 3. Pas de survivants, pas de cadavres, pas de traces. Nettoyage intégral obligatoire. Oh. C'est pas la partie la plus plaisante du job, je sais. Mais ce sont les ordres. On fait ce qu'on a à faire, et on fait comme s'il ne s'était rien passé. C'est tout. Exécution. Donc là, ils butent tout le monde, et c'est ça leur job en fait. Bah, arme visible, je m'en bats un peu les couilles, hein, je. Ils ont clairement dit qu'ils tuaient tout le monde, clairement. QG, ici le nettoyeur. Le ménage est en cours. À vous. Ça m'impressionne par contre qu'ils disent on extermine tout le monde. Par contre, putain, ils ont une de ces visions hallucinantes, c'est des génies les mecs. Par contre, c'est ouf, je comprends pas, j'ai trop du mal à comprendre comment tu peux te dire. Normalement, en tout cas, tu extermines tout le monde comme ça. Merde, je voulais pas attirer lui. Il y a quelqu'un? Sortez avec les mains bien en évidence. Seigneur Jésus, on a peut-être un intrus. Je vais fouiller le secteur. C'était si bien joué et j'ai le seum. Bon. Ouais, donc ça va être compliqué, hein. Ça, c'est vraiment un truc complexe.
Je vais attendre, j'ai tout mon temps. De toute façon, la meuf là-bas, on va l'éclater, vous inquiétez pas. Putain, mais c'est pas possible. Oh là là, c'est pas possible d'avoir une... C'est des pros, hein. Là, tu sens que c'est pas des merdes. J'ai vu de l'équipement qui tombait, c'est inacceptable. Quand est-ce que les gars de la maintenance passent déjà? Attends, je pourrais peut-être même la tuer en balançant un... Seigneur Jésus. Putain, j'aurais pu la balancer un truc et la buter. J'ai un peu le seum. Enfin bon, c'est la vie. Donc là, est-ce que je peux pas me sentir un peu plus en sécurité? Non mais oui, ça je comprends ça, mais moi ce que je veux c'est ça. Je vous en prie, j'ai rien vu. J'ai pas vu votre visage. Ne faites pas ça. Me faites pas de mal. QG, j'emballe un paquet dans le secteur 2. Demande d'enlèvement. Terminé. Ah, c'est... Je me demande où la direction a trouvé ces bonnes femmes. Moi, elles me glacent le sang. J'ai entendu dire que c'était une initiative de Travis. Il les recrute aux quatre coins du monde, apparemment. Des orphelines de guerre, des victimes de mauvais traitements, des criminels, ce genre-là. Il leur donne un foyer, il les entraîne, il canalise. Hé hey. Prenez position. Compris. Vous êtes où? Ohé. Rien ici, fausse alerte. Arrêtez ça tout de suite. Cette tête me dit quelque chose. Attendez, 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 attendez. Salope. Qu'est-ce que t'as cru que t'allais rester en vie? Grosse pute. Je viens de voir une détonation. Origine inconnue. Pas impossible que ce soit une attaque à la bombe. Me dirige vers le site. Allez, 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 allez. Bingo, allez. Comment ça, pas de réponse? Réessayez. Bien, madame. J'appelle l'équipe des Saintes numéro... C'est nul. J'étais full. Ok, non, vous inquiétez pas, je vais toutes les baiser ces putes là, je sais pas combien elles sont, mais... Vous savez pas qui je suis. Vous ne savez pas qui je suis. Une foule tourner le dos, bon. Mion. Comment ça, pas de réponse? Ouais, c'est de la merde, je me suis fait repérer. Sans être méchant, quand t'es repéré, tu peux pas être ombre, je crois, donc ça fait chier. Enfin, si, mais j'en sais rien, je veux pas me faire repérer, c'est dommage. Comment ça, pas de réponse? Réessayez. Bien, madame. J'appelle l'équipe des Saintes numéro 1. Répondez, Saintes numéro 1. Répondez. Terminé, pas de réponse. Quelle était leur dernière position? La coursive du premier étage, madame. C'est étonnant. Réessayez, soldat. Et prévenez-moi dès que vous aurez une réponse. Oh, ça alors. Tiens, meurs. Oula, non, je perds des points. Je perds trop de points.
Comment ça, pas de réponse? Réessayez. Bien, madame. J'appelle l'équipe des Saintes numéro 1. Répondez, Sainte numéro 1. Répondez. Dinar Aglonic. Où est l'autre? Pas de réponse. Quelle était leur dernière position? La coursive du premier étage, madame. C'est étonnant. Réessayez, soldat. Et prévenez-moi dès que vous aurez une réponse. Il commence à bouger, toi. Wow! Repéré, d'accord. C'est pas bien maliné. Je vais essayer de faire les deux kills. Genre quand elle commence à partir, je tente des trucs. Hein. Comment ça, pas de réponse? Réessayez. Bien, madame. J'appelle l'équipe des Saintes numéro 1. Répondez, Saintes numéro 1. Répondez. Terminé. Pas de réponse. Quelle était leur dernière position? Bien, j'ai essayé de les tuer. Du premier étage, madame. C'est étonnant. Réessayez, soldat. Et prévenez-moi dès que vous aurez une réponse. Alors, on commence par toi, puis par elle. Niveau d'alerte maximale. Qu'est-ce que... Bah, c'était quoi ça? Ça, du moment que je me fais parvenir à opérer, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Retournez à vos postes, mais ouvrez l'œil. On reprend le un gun. N'oubliez pas qu'il se déguise. Écoutez. Comment ça, pas de réponse? Réessayez. Ouais, je vais le tuer à la main comme ça et puis j'appelle voilà. L'équipe des Saintes numéro 1. Répondez, Saintes numéro 1. Répondez. Terminé. Pas de réponse. Quelle était leur dernière position? La coursive du premier étage, madame. C'est étonnant. Réessayez, soldat. Et prévenez-moi dès que vous aurez une réponse. En fait, quand il y a beaucoup d'ennemis, il y a un slim machin. Là. Je m'en bats les couilles, c'est bon. Voilà. Attends. Tac. Tac. Voilà, comme ça, elle meurt vite, cette pute. QG, alerte maximale. QG, on risque de devoir se battre. Il nous faut des renforts. Vous entendez? Eh ben, vous avez bien vendu ou quoi? Couvrez-moi, les gars! QG, c'est une véritable boucherie ici. Il y a plusieurs cadavres. Négatif, QG. Je ne vois personne. Bravo. Merci, monsieur. Hé! Viens là, salope, là. Bouge. Vous êtes entendu? C'est bon, on commence à me saouler. Hein. Par ici, maniez-vous! C'est bon, ça m'a saoulé, voilà. On bute des gens, là, c'est bon. Hop là. Moi j'aime pas faire ça mais bon c'est bon voilà des fois. Dites à vos hommes de fouiller le champ de maïs. Oui madame. Écoutez, on a ordre de ratisser le champ de maïs. Formation classique, deux par deux. Exécution. Terminé. Et vas-y, fouillez le champ de maïs là.
Abandonne, 47, on sait que t'es là. Ok, donc là il me voit. Non, non, mais je fais les tests. Non, c'est de ma. C'est bon. Dites à vos hommes de fouiller le champ de maïs. Oui, madame. Écoutez, on a ordre de ratisser le champ de maïs. Formation classique, 2x2. Exécution. Terminé. Ah, oui. Non. Bien joué, enfin bien joué, bien joué. Fallait attendre un peu. Ah, il va être long cet épisode, mais bon, c'est un épisode long. Voilà. Dites à vos hommes de fouiller le champ de maïs. Écoutez, on a ordre de ratisser le champ de maïs. Formation classique, 2x2. Exécution. Louisa Candy Kane. Tu vas te bouffer un de ces couteaux, ma grande. Je répète, homme à terre. Attention. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Abandonne, 47, on sait. Toujours en chasse, on vous tient au courant. Deux grosses putes là-bas, on va les niquer, c'est bon. Ça commence à me tilter en fait parce que j'ai recommencé plein de fois. Ok, on rentre. Sur les trucs relativement simples. Alors restez concentrés. Tous, quand ? Bien compris, terminé. L'équipe de nettoyage. Après c'est logique hein, c'est des pros là, on est plus au petit truc hein. La meuf là-bas, je vais l'enculer, vous allez pas comprendre, vous allez voir. Vous croyez pas ? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. En position. Putain. On a un homicide, mais aucune trace du meurtrier. Là. Et mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous me connaissez pas, moi. UG, on a un cadavre. Niveau d'alerte maximale. Je crois qu'il se passe quelque chose. Voilà. Non, mais c'est voilà, c'est qu'à un moment, voilà, tu me dis, voilà, c'est bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saintes, là, c'est bon, allez, tout se faire enculer. Vérifiez votre ligne de tir. Compris. C'est qui ça? Retournez à vos pages et ouvrez-la. Je sais pas ce que je dois faire. Ah, fallait juste déclencher. Vous recevez au rapport. C'est terminé. Mon Dieu, 47. Travis. J'avais confiance en vous. Vous aviez une mission et vous avez trahi l'agence. Vous m'avez humilié. Bon, excusez-moi du coup dans cet épisode d'être mort plein de fois, mais bon, ça m'a bien fait chier là, putain. Enfin bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, et d'ici là, on se dit à une prochaine vidéo. Bye!